bien, ça s'est bien passé. Yeah. Oui et non. On s'en rend compte. Il n'y en a qu'un qui décide. Qui c'est qui manque? C'est qui manque là? Il manque un chef d'équipe. Bon, vous allez sûrement deviner ce que c'est que la surprise. Donc, c'est le tirage au sort. Ah, pour l'ordre en fait. Voilà. Donc je vais appeler le chef d'équipe de le Hub World Cup Team. Je vais te demander de tirer un petit numéro. Je suis le 6. Ouais, bah ouais. C'est dans la transparence la plus totale. Bonjour à tous, bonjour au cher public. Merci d'être venu. Ça va, vous avez la forme encore ou pas trop fatigué? Le power ou pas le power? Ok. Bon, allez, on va essayer quand même de se dépêcher parce que voilà, je sais que vous êtes tous nazes et que nous aussi. Donc on dit tous qu'une chose, c'est qu'on fasse vite les presses, qu'on donne vite les prix et qu'on aille vite dormir. On est tous d'accord? Donc on va essayer de faire vite. Alors juste pour retirer en fait ce que je vous ai dit hier, je voudrais juste dire merci déjà à vous, en tant que participant, d'avoir fait ce challenge, ce pari un peu fou de vouloir créer un site en 24 heures. Stéphane l'a très bien dit, donc cette année, du coup, 12 équipes, alors que l'année dernière, il y en avait 8, donc petit à petit, voilà, on augmente. L'année dernière, il y a eu 200 participants sur toutes les îles, cette année, 240, donc 40 de plus. Donc voilà comme quoi les TIC prennent de plus en plus d'ampleur et à La Réunion et dans l'océan Indien. Donc ça c'est intéressant à noter. Donc juste donc vous remercier déjà d'avoir participé. Merci au jury de s'être déplacé un dimanche après-midi. Merci beaucoup. Je vais rappeler les sponsors, parce que sans eux évidemment cette compétition ne pourrait pas la faire. Donc déjà en premier lieu la ville de La Possession. Nous accueille ici dans ce fameux local qui est partenaire de l'événement. La CC, pardon, depuis 7 ans d'ailleurs, depuis le début, puisqu'on l'a toujours fait ici jusqu'à présent. La CCI de La Réunion, qu'on remercie énormément. Zeops qui nous a fourni donc les connexions internet, vous avez pu le voir. Donc on les remercie également pour avoir installé aussi tout le matériel. Ils se sont déplacés hier, ils vont revenir ce soir tout en V. 6 mars, c'est la personne, enfin c'est la société qui a permis que vous ayez l'hébergement donc de vos fichiers, donc les FTP. On les remercie énormément parce qu'ils ont aussi donné les FTP à toutes les autres îles, donc il y avait une cinquantaine de comptes, je crois, qui ont été créés, donc bon boulot, et apparemment vous n'avez pas eu de soucis, donc c'est que c'était bien. Et puis un dernier mot aussi pour remercier la région et le FEDER, si je me trompe. Et puis, qui d'autre? Eh bien, à la fois, nos bénévoles, une partie qui est là. Donc, je pense qu'on peut... Un grand élan d'applaudissements pour les bénévoles. Merci pour eux. Merci aux sponsors, merci à tous. Et puis voilà, on va vous envoyer des applaudissements. Alors, moi, c'est Kimi Alvarez, je suis directrice artistique freelance et interactive. Et j'ai déjà participé 2 fois à la WebCup. Donc, je sais ce par quoi vous êtes passés. Et je vous souhaite à tous une très bonne chance. Merci. Donc moi c'est Elodie Fontaine, je suis web designer à La Réunion et comme Kimi j'ai participé 2 fois donc je connais ce qu'on ressentait. Alors je m'appelle Nicolas Ludovic et je suis responsable pédagogique à Saint-Pour-Réunion. Je suis aussi dev web, donc je vais plus noter votre partie technique. Et je vous souhaite une bonne chance. Sébastien Coyac, moi j'accompagne un certain nombre de startups, notamment dans le web. J'ai cofondé une boîte aussi qui fait de la gestion de patrimoine numérique. Et je suis dev un petit peu de temps en temps, mais à mon temps perdu, c'est ça. Donc plutôt orienté. Conception de produits, gestion de produits et onboarding, tout ce qui va être la partie design également un petit peu. Merci, et c'est avec grand plaisir que je suis là. Merci d'ailleurs à tous les au stade de la World Cup, tu fais un super boulot, donc il faut le citer quand c'est l'occasion.
Alors bonjour, c'est Brice Packel. Je suis associé et développeur dans la startup BIM. Et j'ai déjà participé à cette grande compétition. Donc on sait tous la difficulté de cette compétition. Bonne chance.